Bonjour. Alors aujourd'hui, je veux vous montrer comment il est possible de mettre des choses en avant, que ce soit les personnes de votre équipe, une partie d'un élément, d'un outil, d'un vélo, de ce que vous voulez, ou même les différents objets ou épices qui se trouvent sur votre étal, dans votre magasin, qu'il soit virtuel ou pas. On commence tout de suite. Donc voici l'équipe d'entrepreneurs de cette société et nous allons voir chacun des membres. Voici donc Marc. Comme vous voyez, il y a son visage qui s'affiche en clair et son prénom. Voici une autre personne. J'ai pas mis les prénoms de chacun, mais vous le feriez si vous aviez à le faire. Ensuite, on passe à la troisième personne, puis la quatrième personne et enfin la cinquième personne. Vous voyez que c'est assez simple de présenter l'équipe et à la fin, on montre l'ensemble des personnes qui composent cette équipe. Autre mise en avant, c'est pas bien compliqué non plus. Comme vous voyez là, ce sont des épices dans un supermarché ou ailleurs. Et nous allons voir quelques épices que j'ai mis en avant. Voilà, une première épice, je ne sais pas ce que c'est peut-être des clous de girofle, je ne vois pas bien. On passe maintenant au curcuma. On passe maintenant au safran. Et enfin, aux petites choses de couleur pour mettre sur le chocolat ou je ne sais pas. Voilà, vous voyez que c'est simple. Vous auriez pu faire ça avec des chaussures, par exemple. Vous avez un étal de chaussures et vous voulez mettre en avant telle ou telle paire de chaussures. Vous pouvez donc le faire en zoomant sur la chaussure qui vous intéresse et mettre un prix en dessous au lieu de mettre le prénom. Encore une autre façon de mettre en avant. Par exemple, vous avez un vélo et vous voulez détailler une partie du vélo. Voilà le pédalier qui est détaillé. Maintenant, on va passer à la selle. Voilà. Vous pourriez faire ceci pour toutes les parties du vélo, de l'instrument, de l'outil, de ce que vous voulez. Ça sert à mettre en avant une partie des choses que vous voulez montrer, pour montrer son avantage, justement. Passons maintenant à la pratique. Comment est-ce que l'on fait ça? On y va immédiatement. Donc, je vais insérer une nouvelle diapositive. Là, je vais mettre une image de la photothèque. Eh bien, on va prendre par exemple cette équipe de médecins, enfin une équipe médicale. On va prendre cette façon de le mettre et nous allons commencer par dupliquer la diapositive. Sur cette image dupliquée, nous allons aller dans format de l'image et là vous avez des effets artistiques qui vous permettent de mettre votre photo. Voilà, là c'est peut-être même un peu trop détaillé. Voilà, celui qui fait croquis, comme j'avais fait pour le premier. Et donc, vous allez prendre ce slide, la photo qui est ici, vous allez faire copier, vous retournez sur la photo que vous avez modifiée, et là, vous allez aller dans conception, mise en forme de l'arrière-plan, remplissage avec une image, et celle qui se trouve dans le presse-papier que l'on vient de copier. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, nous allons mettre celle-ci en après, nous allons dupliquer cette diapositive, et là, on va insérer une forme ronde, on va mettre un cercle sur ce visage. Et ici, vous avez vu qu'il y a eu, dans le format de la forme, le remplissage. Et on va remplir avec l'arrière-plan. Et voici notre visage bien détaillé, voilà, de notre médecin principal. Voilà. Donc maintenant, nous allons dupliquer la diapositive. Et on va déplacer ce cercle, enfin cet ovale,
sur l'autre personne qui se trouve ici. Et voilà, on a l'image de l'autre personne. On va dupliquer encore. Et cette fois-ci, on va venir voir ici. Si on duplique encore, on va voir celui-ci. On duplique. On voit celui-ci. On duplique. Et on va voir le dernier, celui-ci que nous n'avions pas encore vu. Alors, hop, faut juste le mettre un peu plus. Voilà. On vérifie que tout le monde est là et puis on peut mettre un texte pour donner le nom de la personne. Docteur Truc. Voilà. Et on peut faire ça donc pour chacun des visages qui sont présentés. On met le nom en dessous de la personne. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Donc on a notre première diapo et on a toutes les autres jusqu'à celle qui représente l'équipe en clair. On prend donc notre première diapo, notre seconde diapo, et on va dans transition. Et là, on va tout simplement faire fondu. Et là, la même chose, fondu, 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 fondu et fondu. Voilà, et pour terminer, fondu. On regarde ce que cela donne. Toc, toc, toc. On commence donc ici. Je montre. On a notre dessin. Et on clique. On a le docteur Truc, l'assistant machin, l'infirmière machin chose et sa collaboratrice, ainsi que l'assistante et l'anesthésiste. Voilà. Et on a vu l'ensemble de l'équipe qui paraît maintenant. Voilà. On continue. On peut faire exactement la même chose si l'on a une boutique en ligne. C'est exactement la même chose. Ce qui change un petit peu, c'est si l'on veut montrer quelque chose dans une boutique. Donc, on va aller voir ça. On peut aller ici. On va essayer de trouver des lunettes. Ça me paraît bien. On insère des lunettes. Et là, eh bien, on va vouloir mettre en avant une paire de lunettes par rapport aux autres. Donc, on fait déjà, on duplique. Et on va faire, sur cette image, un rognage. Voilà. Donc, on va aller rogner, par exemple, pour récupérer uniquement celle-ci. On rogne. Voilà. On va dupliquer cette diapositive et on va venir mettre ici notre image que l'on va faire, que l'on va agrandir un peu pour la montrer en plus grand. Et pour cela, on va lui appliquer une animation. On va la faire agrandir au-dessus. On peut aussi, pour mettre plus en avant, faire un format d'image différent. Ça, un peu en travers, ça me paraît bien. Et du coup, on peut l'agrandir un petit peu plus. Et vous pouvez faire ça pour chaque modèle que vous voulez avoir et mettre en avant en mettant sur le côté une petite zone de texte au-dessus ou en dessous qui marquera les avantages de cette paire. Aussi lui mettre une animation fondue et on va aller dans volet d'animation après le précédent, parce que si c'est en même temps, ça va pas le faire.
et on regarde ces deux diapos, les lunettes, la paire que l'on veut mettre en avant avec un petit texte. Vous voyez que c'est assez simple à faire, mais du coup ça vous permet de mettre en avant beaucoup de choses que vous voulez vendre et même peut-être une partie de votre formation ou je ne sais pas. Enfin, réfléchissez, mais vous voyez que c'est très simple à faire, donc profitez-en. PowerPoint vous donne plein de choses pour pouvoir réaliser des présentations extraordinaires. Et du coup, si vous faites une petite vidéo, elle sera naturellement animée et ce sera plus attrayant pour ceux qui viendront regarder. On se retrouve dans la prochaine vidéo. À très vite.